j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. On n'a pas du beau temps hein, depuis hier. Il fait très très chaud. Par contre, le temps est gris et il pleut. Enfin, il pleut quand il veut. On se retrouve aujourd'hui. Donc, on est dimanche, il est 8h30 du matin. J'en profite que les gosses dorment encore. Alléluia. Pour scraper parce que ça vous fait rire dans les commentaires. Mais je vous jure, c'est pénible, hein, j'en ai marre. Pouf. Bref, on se retrouve pour le format du dimanche et on va faire un Miss M-I-S de Magali Information Scrap. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans le titre, comme d'habitude, Agatha Mag 63. Donc c'est tout simple, il n'y a aucune. Il faut juste prendre une... faire une base 15-15. Il n'y a aucune autre indication. Donc moi. J'ai pris une base 15-15 blanche, mais j'aurais dû prendre le craft. Je pense que ça aurait fait plus joli. Mais bon, maintenant, je l'ai coupé. Tant pis. Tant pire, tant pire. Voilà. J'avais bien envie de couler un petit peu de dentelle comme ça. Je ne sais pas encore sur quoi je pars vraiment exactement. Au-dessus, bon, on va plutôt mettre au-dessus, donc on va coller ça. Ah oui, je voulais faire un petit tampon là-dessus aussi, ce que je vais faire sur le sur le thème des vacances. J'aurais peut-être arrondi mes bords. On m'a déjà dit si on peut arrondir les bords, et comme les bords de mon papier là sont arrondis, je me demande si je vais pas arrondir tous mes bords. Après tout, il n'y a aucune indication. Donc, on a peut-être le droit. Et puis, si on n'a pas le droit, bah, tant pis, je le fais quand même. Non, mais c'est juste une base 30-30. Hein, il n'y a rien. Une base 30-30. Une base 15-15. Il n'y a pas d'autre indication. Donc, je pense que on est un petit peu libre de faire ce qu'on veut. On verra bien. Écoutez, Magali, si elle passe par là, si elle m'engueule. Et ben voilà. Allez, d'ailleurs, j'ai presque fini son échange. Je vais pas vous le montrer. Hein, parce que j'ai pas filmé. J'ai fait des créations, mais je ne les ai pas filmées. Je vous ferai peut-être une vidéo de présentation quand j'aurai vraiment tout fini. Parce qu'il me reste à décorer. À décorer quelques trucs et à mettre. Dans l'enveloppe et des petits cadeaux. On peut coller notre dentelle. Donc voilà, je vais pas vous le montrer pour le moment. Mais je pense une fois que je l'aurai envoyé, je vous ferai peut-être. Avant de l'envoyer, je vous ferai peut-être une petite vidéo. Et je vous la mettrai quand. Bien sûr, quand elle aura. Quand elle aura reçu, je vais pas vous montrer avant, ce qui est bien logique. Sinon, il n'y a plus de surprise pour elle. On est bien d'accord. Bon, ça va être un peu difficile ce matin. Je me suis couchée vers 5h30 du matin. J'arrivais pas à dormir. Et réveillé à 8h30. Donc, j'ai dormi 3h. Ça va être un petit peu compliqué. Je ne sais pas pourquoi, mais en ce moment, je ne dors pas. Alors, au début de semaine, bon, je savais pourquoi. C'était la douleur. Et là, je ne sais pas pourquoi. Allez. On va prendre le petit tampon là. Carte postale. Postcard. Ça vient de cette planche. On est combien aujourd'hui? On est le 25. Ma fille reprend les cours le 30. Hmm.
c'est bien tout. J'ai un peu mal tamponné, mais c'est pas grave. C'est très très bien tout. Et ça va faire très très du bien. Je collerai bien ça en 3D. Est-ce que j'ai un rouleau là? J'en ai une épluche. On va en prendre un. On a de la réserve. C'est pas comme si on n'avait pas de la réserve. Hop. Bon, j'ai choisi ce format ce matin parce que il est rapide à faire, simple, sans prise de tête, sans contrainte, et que j'ai dormi 3 heures cette nuit. J'ai pas trop envie de faire quelque chose où faut réfléchir, compter, couper, machin, d'accord. Là, c'est simple, on fait ce qu'on veut. Hop. Et vous doutez bien que le mien, il va être simple et rapide. Ensuite, j'ai pris une petite étoile de mer que je vais coller ici. Et ensuite, je ne sais pas. Ensuite, je ne sais pas si je vais le laisser comme ça. Puisque... je ne sais pas. J'ai pris des demi-perles vert et bleu. Vert et bleu. Je ne sais pas si je le laisse comme ça ou quoi. Aucune idée. J'ai pas envie de faire quelque chose trop en fait. J'ai envie de quelque chose de simple. Et d'ailleurs, je n'ai pas d'idée de ce que je pourrais rajouter sur ce petit format style carte postale. Je ne vois pas du tout ce que je pourrais rajouter. Donc, déjà, je vais la coller sur ma base. Ouais, bon, je te recollerai après. Ah, mais j'aurais dû l'arrondir. Oula, mais je suis en train de faire n'importe quoi là. N'importe nawak. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Et au final, je vais pas arrondir les bords là. Je trouve que ça fait pas trop mal. Peut-être les ancrer parce que j'aurais dû le mettre sur du craft hein. J'ai été vraiment bête là pour le coup. Du coup un petit coup d'encre, ça peut pas lui faire de mal là. Voilà. Après, je fais pas des grandes décos non plus parce que c'est pour rester dans mon classeur. Donc, vous comprenez que je vais pas, faire un truc affolant. D'accord?
va pas, ça fait pas le style. Aïe aïe, je suis tombée. On a des petites fleurs bleues comme ça, mais. Non, non, non. Non, je crois que je vais laisser comme ça. De toute façon, c'est pour mettre dans mon classeur. L'important que je vous montre, c'est le. Oh, je suis tombée. Le format en lui-même. La déco, c'est secondaire. Puisque ça va dans mon classeur. Donc voilà, je pense que je vais le laisser comme ça. Moi, il me plaît bien comme ça. Donc le Miss, 15 sur 15. Et derrière, vous mettez vos informations. Ça s'appelle Magali Identité Scrap, si je ne me trompe pas. Donc bien sûr, vous mettez vos informations, nom, prénom, adresse, vos goûts, vos... Enfin, tout ce que vous souhaitez communiquer à la personne à qui vous l'envoyez. Parce que identité, c'est pour avoir vos coordonnées. Un peu comme le style memory text, etc. Pour garder vos petites coordonnées sous la main. Voilà, bah écoutez, ce sera tout. On va pas aller plus loin. On va pas faire plus. On va laisser comme ça. Moi, je le trouve beau, simple, mais beau. Pour ranger dans mon classeur, je pense qu'il n'y a pas besoin de plus. Voilà, bah écoutez, je vous fais à tous de très très gros bisous. Je vous souhaite un très bon dimanche. Et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.